Bonsoir à tous et bienvenue sur Last Epoch. Et là, c'est magnifique. On a réussi à se connecter au bout d'une demi-heure de tentative. Eh oui. Oh, t'as une jolie épée, toi. Faut pas que je fasse la même connerie qu'hier. Et là, je croise les doigts que ça plante pas. Oui, que ça plante. Non, ne plante pas. Surtout ne plante pas. Alors. Eh ben, let's go. Ah, j'avais bien aimé ce coin-là. Il y a des araignées dans tous les coins. Ah, ça veut dire que l'inventaire est plein. C'est ça qu'il faut que je... Ah oui. Bonsoir Moustoir, bonsoir. Peut-être bien ça. On va les comparer. Non. Yes. Ah, forcément. Oula, je suis en train de faire des grosses conneries là, je crois. Yes. 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 Follow your feet. Et la carte s'est réinitialisée. Ça, c'est un peu dommage. Bon, c'est comme ça. C'est quoi ce bonus? Oh, pas mal. Augmenter les chances d'étourdissement de 20%. Peut-être bien ça. Ah.
Oh. On la mettra au coffre. Je suis curieux de voir ce que ça a donné en one game. Bon, c'est vraiment pas désagréable hein, à jouer. J'ai encore voulu esquiver comme si j'étais dans Diablo 4.
à faire, mais je vois pas quoi. Voilà, un petit level up. Vraiment qu'on l'a pas lancé celui-là. Alors... Et après on prendra ça. Non, ça. Éclair divin. Je suis curieux de voir ce que ça va donner ça. Pas mal ça, ça m'intéresse. Est-ce que c'est pour notre classe? On va tout de suite le savoir. Il a 50 d'armure, ça fait bizarre. Vers 50 points en armure. La force, ça me donne quoi? Chaque point de force augmente l'armure de 4% et améliore les compétences. J'ai combien en armure là?
Nani ? Je comprends pas. Ah, il y a plus 125, j'avais pas vu. Ah là là. Ah oui. Ah oui, non, c'est dantesque. Lancer de marteau, c'est ça? Ouais. C'est pas mal, ça. Et celui-là, il me donne quoi? Déjà, on va virer ça. On va voir la boulette après. Je perds 1% en... Ah ouais, c'est niveau 4 tous les deux. Ouais, non. En plus, elle est stylée, notre armure. Bon, ça fait un peu dépareiller, mais voilà. Super. Tu vois qu'on était hyper résistant, alors là... Ouais, ça augmente pas que la vitesse de déplacement, ça augmente aussi la vitesse d'attaque. J'avais oublié. C'est vraiment bien ce buff. Et d'incantation, et vitesse d'incantation aussi. Plus je joue à ce jeu, plus je l'apprécie. C'est dommage qu'il y ait ces problèmes de serveur. Petit chargement qui a l'air d'être bref.
marchand, il est là. Non, ça m'intéresse pas. Ça, on va le mettre de côté. Ok. Oula, il y a un léger freeze. Ok, il nous demande de chercher un filet de terre. Ouais, ça frise un peu. C'est la même icône. Pas moyen de lui faire un fichier Ctrl Alt. Ok. Ah là, ça y est, là le... Ça affiche là le casque. L'efficacité de blocage est un petit peu meilleure. Et ensuite, j'ai encore de l'efficacité au blocage. 13% augmenté de dégâts physiques. Ouais, non, on va garder ça. Ah, j'avais le pendentif aussi. Et Emma Carter. Bonsoir, Emma. Merci pour le follow. Bonsoir, bonsoir. Tu peux parler français, Emma ? Ah, like Monday ? It's better Saturday ? Un 14% c'est mieux. Oh, dégâts de poison, j'en fais pas. Bah non, je le prends pas. Where are you living? France? And you? London?
Me too. Someone from London. Want to sell its graphical capability for the TV, but we are not interested. Hop là, et on détruit la vermine. Can you speak French a little? Bon, c'est vraiment juste pour le revendre, hein, le marteau. C'est nouveau ça. Si on compare. Bah dégueu. Quasi, on a 10, 11 points de plus. Lance d'étourdissement. 11% en dommages. Ah ouais, mais là j'ai plus 24 en dégâts physiques. Ah ouais, non. Fallait faire une connerie. LOL. Fallait faire une connerie. Cité souterraine de Verlin. Alors, je remets la webcam. T'as une sale gueule, toi. Après, on prendra quoi? Est-ce que on prend une aura dévotion de Raelite?
Votre aura sacrée vous donne un ancien une science en plus. C'est pas mal ça. Coût critique augmenté. 10%. Ah ouais, non, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Ouais, avec leurs dégâts de poison, les araignées. Si je compare les décors à Pacific Isle, et je trouve que dans Pacific Isle, il y avait par moments un côté un peu plus gothique, un peu plus dark fantasy. Bon, on n'a pas découvert tout le jeu, donc... Un petit chargement. Bonsoir Franck, comment vas-tu? As-tu passé une bonne journée? Que j'avais le phylactère, je suis trompé. Ça met un petit peu moins de temps pour arriver à se connecter au jeu, mais ça en met quand même. Je suis obligé de essayer de me connecter avant de commencer le live. Ça a mis une bonne demi-heure.
Et là, le chargement des zones a l'air d'être beaucoup plus court qu'hier. C'est une bonne chose aussi. Et avant que t'arrives, on a looté une super armure. Comme tu peux le voir, avec des stats bien badass. Y ? Ah, je savais pas ça, faut que je regarde. Non, je préfère garder ce que j'ai. Allez, à dégager, je mets le pad du néant. Y, c'est quoi ? Cercle du destin. L'affiliation au cercle du destin améliore les chances d'obtenir un objet et permet de chercher des prophéties afin de trouver des objets de meilleure qualité. Et de plus en plus grande quantité. L'affiliation à la guilde des marchands permet d'échanger des objets au bazar ou directement avec des autres joueurs. Tu choisirais quelle faction ? La faction Cercle du Destin ou guilde du marchand ? En fait, là, j'ai l'impression qu'on se repose sur soi-même et là, on se repose sur les autres. Ok, bah du coup, on va prendre la guilde du marchand, alors. Si tu choisis Cercle du Destin. Les factions d'objets proposent différentes manières d'obtenir des objets. Vous aurez l'occasion de... Ces deux factions vous permettent soit d'accéder au commerce avec d'autres joueurs, soit d'augmenter votre capacité à trouver davantage d'objets de meilleure qualité. Ouais, c'est ça.
On peut déjà choisir ou non? Ouais, non, j'y suis pas encore. Ok. Normal que... Et j'ai pris connaissance de ça en lisant le chat en même temps. On n'y est pas encore. On va avoir fait toute la zone. Non, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ça. Ah non, j'ai pas fait toute la zone. Ouais, enfin, tout ça pour ça. Fait le tour de la zone. Ah non, peut-être pas. Alors, ce jeu, il te plaît bien ? Level up. Alors, éclair divin, chaque fois que vous touchez un ennemi avec une attaque en mêlée, vous avez 20% de chance de lancer éclair divin, une explosion d'énergie sacrée qui inflige des dégâts de feu à un ennemi aléatoire à proximité. Vos attaques de mêlée ont une chance d'infliger embrasement à l'impact. Ouais, ça j'imagine que comme on l'a pas pris, on pourra pas. Bravoure, halt. L'efficacité de guérison accrue. Ouais, pour le moment, on n'est vraiment pas en danger en termes de survie. Allez, on va partir sur les dégâts. C'est un passif, hein. Ouais, ça proc.
I cannot do that. Hmm? Je reviens. Est-ce que tu avances sur Diablo 4 ? Farewell. Y'a pas un marchand là? Merde, j'étais persuadé qu'il y en avait un. Bon bah ok. Ça sent le boss, ça. On l'a lynché le boss. Thank you.
Par contre, c'est bizarre. C'est pas une attaque de mêlée, ça ? Mêlée. Ça, ok, c'est pas une attaque de mêlée, je m'en doutais un peu. Ah, purée. C'est un peu de l'arnaque là. Ou j'ai pas vu alors. Ou c'est un éclair qui est. Je m'attendais à un truc spectaculaire. Là, il y a que dalle. Je remets la webcam, pardon. Ouais, c'est pour des invocations, donc ça m'intéresse pas. Bon, on se déplace un peu plus vite. C'est pas possible, j'ai mal lu le descriptif. Chaque fois que vous touchez un ennemi avec une attaque de mêlée, vous avez 20% de chance de lancer éclair divin. Ok. T'en as vu un d'éclair divin ? J'ai rien vu. Bah ouais. Une chance sur 5. Ah, ils ont pas tout traduit. When you gain haste or refresh, its duration, you gain 59 ward. Je sais pas ce que c'est. And your minion. Ah ouais, c'est un truc de nécro. Ouais, t'as un truc comme ça. J'ai l'impression que c'est un item de 7. On mettra de côté. Je suis pas sûr que ça soit pour paladin là ce que j'ai looté. Ouais ben les éclairs divins c'est un peu l'arnaque divine là hein, quand même hein.
Ouais, bah les éclairs, y en a pas. Hein. J'ai peut-être mal compris le descriptif. En vitesse d'incantation, je m'en fous. Pour le moment, les éclairs divins... Ah, bizarre. Si j'ai bien fait un choix judicieux, moi, en prenant ça. C'est peut-être une aura activée. Ouais, je vais regarder. Peut-être ça.
Ça, je pense qu'on va le virer, hein. Si ça fonctionne pas... Ils aiment bien mettre les coffres dans les impasses. Fais attention au poison. Hein. Aura sacrée vous accorde un signe, hein, une chance de coup critique. Ah merde. Pardon. Ah, les attaques, hein. Ah, on avait chopé une ceinture, j'ai pas regardé. Tant pour moi. Alors on gagne en armure. On gagne 19 points en armure. 3 emplacements de potions. Ouais.
La vitesse d'incantation, je m'en fous. Il veut pas me l'ouvrir le coffre. Ah. C'est vrai que ça va pas être trop long. On peut toujours pas vendre, mais lol. J'avais oublié qu'il n'y avait pas le marchand ici. Et là, on a changé d'époque. Donc, si je suis bien, on est retourné dans le passé.
Ouais, c'est le dégât élémentaire. Je sais pas si ça s'applique pour ma classe. Je fais qu'il y a de l'embrasement, mais je suis pas un mage, donc. Alors, on gagne un peu en armure. 39 points. On perd en force, on gagne un point en vitalité, 7% d'endurance. Je sais pas ce que ça donne, l'endurance. On perd en étourdissement aussi. C'est quoi l'endurance? L'endurance, c'est quoi? J'en ai aucune idée. C'est en défense. L'endurance réduit les dégâts subis une fois votre seuil d'endurance dépassé. Mais comment je connais mon seuil d'endurance? Ça m'embête un peu. On va garder le casque que l'on a pour le moment. Ouais, pas terrible. Hey, des potes notre paladin.
Vraiment, c'est que du décor. J'ai pas l'impression que je peux interagir. Alors, 25 en mêlée. 36% de dégâts de mêlée. Plus 1% de dégâts physiques en mêlée par niveau. 25, c'est quoi ça? Ok. Transitorisement en mêlée. Ouais, on mettra ça de côté, je pense. Ça, c'est encore que du décor. Pas de coffre. Pour le moment, les boss, je les trouve pas très compliqués. Hein. Mais il y a des gens qui disent que l'histoire, c'est juste le tuto du jeu, donc ceci explique peut-être cela.
Ah, on est à l'ère antique. Ok. Là, on va où, si je veux voyager ? On va aller ici ? Bonne nuit, Moustard, bonne nuit. Comme des PNJ pour vendre. Ah non, je suis retourné dans la zone. Oh non. Non, 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 moi je veux vendre. Peut-être ici. Ah, le marteau, on le met au coffre. On verra ce qu'on en fait. Les jambières aussi. Là, on met ça là. Ça, je pense qu'on va le vendre. Yes. Ah. What the fuck, j'ai fait n'importe quoi. Oh, je suis trop con. Follow your feet. Yes. Bon, au vu de l'heure, ce que je propose, c'est qu'on arrête là. Puis on reprendra tranquille. Ah, il y a peut-être une quête à valider. Excusez-moi. May I tear a smile upon you? Farewell. May I tear a smile upon you? Voilà, et on arrête là pour ce soir. Et on continuera tranquillement demain soir en espérant qu'on pourra se reconnecter un petit peu plus vite.